Cette année, pour les 3e journée européenne du patrimoine de l'hôpital Saint-Joseph, nous avons voulu mettre à l'honneur l'hôpital créatif. Et l'audace de la créativité à l'hôpital va se traduire dans les années à venir par une recherche colorimétrique. Nous avons travaillé avec une agence Atelier 3D Couleurs pour harmoniser les chemins de l'hôpital et les couleurs de l'hôpital, moderniser ces couleurs et les rendre lisibles pour le public. Et nous avons travaillé sur notre schéma directeur dont l'objectif est de garder une harmonie dans cet établissement. On va essayer d'abandonner ces bordeaux qui ont un peu daté, les remplacer par des gris, etc. et jouer ce contraste de noir-blanc. L'hôpital va, par sympathie avec son quartier, prendre les couleurs de la ville et les prendre et les adapter à l'ensemble de son patrimoine. L'objectif, c'est de moderniser notre établissement tout en lui donnant des nouvelles superficies qui vont permettre de répondre aux besoins des évolutions en termes de prise en charge des patients, notamment sur les blocs opératoires et les secteurs d'accueil avant opération et post-opératoire. Pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. C'est de la poésie en musique et je suis prof de français, donc pour moi ça a du sens. Et c'est vrai que je connais les textes par cœur, donc j'ai tendance à les chanter en même temps qu'eux. La semaine dernière, notre fille de 12 ans m'a dit qu'elle aurait préféré que Thibaut soit trisomique. Qu'elle en avait marre que les gens dans la rue nous regardent de travers en pensant juste que Thibaut est un enfant mal élevé et qu'il fait des caprices. C'est parce qu'il n'a pas un physique d'handicapé. Souvent, c'est l'émotion qui prend le dessus, en fait. Les gens, ils sont... C'est un vrai bouleversement, cette pièce, en fait. Je ne peux m'empêcher de penser qu'au lieu de chercher à les guérir, il faudrait faire en sorte qu'ils nous contaminent tous pour que le monde dans lequel nous vivons soit plus beau. La danse, c'est quelque chose de... ça apporte du bien-être. Quand on voit un ballet, on est content. C'est quand on voit un tableau, c'est que c'est de l'art. Et quand on, aussi, quand on pratique la danse, on se sent bien aussi. C'est un hôpital, du coup, oui, c'est particulier comme émotion. C'est que du plaisir à danser et puis ça fait plaisir aux gens aussi qui regardent, donc c'est le principal. Cette année est aussi l'occasion d'inaugurer un nouveau partenariat avec l'École nationale de danse qui va nous permettre d'accompagner les étudiants comme nous le faisons avec les Beaux-Arts, dans le cadre d'ailleurs du rapprochement des Beaux-Arts et de l'École nationale de danse. Et bien entendu, tous nos autres partenariats se poursuivent. On se rencontre sur un travail dans la durée entre l'école d'art et l'hôpital qui vise à proposer à de tout jeunes artistes d'investir l'atrium qui est complètement ouvert sur l'hôpital et la vie de l'hôpital. Le message, c'est un message de vie et c'est un message d'ouverture vers le monde. Que ce soit des gens qui travaillent pour l'hôpital ou des patients, c'est vraiment plein de personnes différentes qui peuvent regarder nos pièces et si ça peut, comment dire, leur donner des idées ou égayer ne serait-ce que, je sais pas, 10 secondes de leur journée, pour moi c'est un sorte de défi réussi, quoi. Pour moi et pour les presque 70 salariés qui travaillent avec moi, c'est l'occasion d'être devant, de se retrouver en photo sur des murs. C'est quand même sympathique, c'est une forme de reconnaissance, de se retrouver comme ça projeté à l'avant de la scène. L'hôpital, c'est le soin, donc c'est le corps médical, c'est les soignants. Mais tous ces agents-là contribuent aussi au fonctionnement de l'établissement. On découvre un pagnol assez inattendu. C'est le pagnol qui a une vision politique très affirmée, mais il fait ça... il passe par des chemins de traverse qui sont ceux de la fiction historique.
jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale. Débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Alors ce spectacle, il aborde aussi une problématique liée peut-être à notre époque sur la notion de rapidité d'accélération du temps qui fait que l'individu finalement ne s'attache pas vraiment et ne crée pas réellement des liens. Et on a travaillé sur la marche et sur ce que impliquait la marche, qu'est-ce qu'elle nous disait d'un personnage, d'une figure. C'est très important que la culture, elle se développe certes à l'école, mais aussi dans les hôpitaux, et que c'est toujours aussi une manière de la promouvoir et de montrer qu'on participe tous au fait de la mettre en valeur.